Bonjour, monsieur Hills. Bien. Permets-moi de t'expliquer un peu la situation. Ta chaîne a subi plusieurs strikes. YouTube te débranche des abonnés quotidiennement et ton audience a été fortement réduite bien que tu sois sur Odyssée. Alors, dans le cadre de notre Cache 4-2, le média en 4-4-2 a voulu te poser quelques questions. Qu'en penses-tu? Tu veux bien y répondre? Bien sûr, j'ai que ça à faire. Ah, parfait! On les a écrites sur des petites pancartes. C'est plus stylé! Bien. T'as l'air vachement heureux et motivé. On va rester dans cette belle dynamique. Première question. Faut pas être un peu sado pour chercher à tout prix à se faire striker? Allez, vas-y, strike-le! Allez, punis-le une semaine! Voilà encore, allez, deux semaines! Shadowban-le! Vas-y! La vue des abonnés. Je le vis plutôt bien. Ok. Deuxième question. Tu ne te ferais pas chier si le Covid et ses vaccins n'existaient pas? C'est très possible. Quel conseil donnes-tu à ceux qui veulent se faire virer de YouTube? Il existe une formation. Moi aussi je veux être crédible. Il y en a marre de me faire striker par YouTube. J'en ai marre d'esquiver les sujets interdits, d'être une merde. Écoute-moi. Et répète après moi. C'est fou lui. Chloroquine, Zitromax, Doliprane. Non. Écoute. Chloroquine, Zitromax. Chloroquine, Zitromax. Oui. Voilà, respire. C'est très bien. Voilà. Ah, oh, super. Ça fait du bien. Parfait. Comment tu te sens maintenant? Prêt au strike? Bravo, hein? Bravo. Super, assieds-toi. Il a fait. Il est prêt. Ça marche aussi avec Ivermectine. Faut le savoir, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans mon livre. Elle est top. Ok. Alors, pourquoi t'aimes pas le progrès? J'aime le progrès, et je pense que le colonel en parlera mieux que moi. Le progrès? C'est cette cerise unique sur un gâteau. Une putain de forêt noire. Quand t'es allergique aux cerises, tu te dis, oh ça va, il y en a qu'une. Je peux gérer, ça ne va quand même pas me tuer. Mais quand tu prends ta première cuillère franche et que tu la mets dans ta bouche, c'est bourré de ces saloperies. Et comme un con, t'as pas préparé l'épinéphrine pour y survivre. Tel est l'avenir des hommes si rien ne change. Tu comprends l'histoire? Ouais. La bando, le colonel. En attendant le strike, en assumant le strike, en affûtant le sabre, quel sera le prochain Hills? En avalant les chibres. Avec une faute d'orthographe à la fin, ça passe. J'ai déjà le logo prévu au cas où Manu serait intéressé. Mode progrès. Ouais. L'Elysée ne t'a pas appelé pour t'inviter à faire un petit rap? Ou une reprise à leur fête de la musique? Ça devait se faire. Et j'avais pas mon passe ni les bouteilles d'adrénochrome exigées à l'entrée. Cela dit, je leur ai proposé un DJ très fun. L'info en continu de BFM, ça va se caresser d'adoxa, insulter du complotiste. Ce soir, c'est soirée pipo. Mais je n'ai pas eu de réponse. C'est bien dommage, ça aurait été marrant. Ok, bon. Est-ce que Rambo a un beau petit cul bien ferme? Eh, attends un peu. C'est pas une question de la liste, ça. C'est pas sur la pancarte. Mais on n'avait plus de pancarte, voilà tout. Seule une personne maîtrise le sujet, et c'est le colonel. Rambo, c'est des kilos de fessiers fermes et musclés en fusion, prêts à se contracter à la moindre alerte. Au moindre coup de feu. À la moindre musique festive et dégénérée. À la moindre pride de progressiste. Ces fesses-là, tu peux me croire. Elles ont tout connu. Elles ont été mordillées en Thaïlande. Pincées. Très fort. Par un colonel excité. Par cette musculature sèche et ferme. Des fesses comme ça, on n'en trouve plus. De belles collines lisses sur lesquelles ruisselle la rivière de l'effort. De belles miches de pain, composées de farine biologique d'épeautre.
Un cul qui sent le paradis, en somme. Ouais, j'ai comme l'impression que tu te fous de ma gueule. Mais passons à la suite. Tiens, c'est le retour des pancartes. Ah bah tu vois, je les ai retrouvées. Au bout de combien de doses vont-ils comprendre ? Odeur de la vie d'après, je reste chez moi, je survivrai. Tous vaccinés, tous protégés, je protège les autres. À l'épuisement des stocks, j'imagine. Radical. Pour les plus coriaces. Tu serais cap de te faire virer d'Odyssée ? Je fais mon maximum. Toutes les vidéos non censurées sont dessus. Mais pour l'instant, Monsieur Odyssée ne m'a pas encore fait de visite. En même temps, je n'ai pas un nombre d'abonnés assez conséquent pour attirer l'œil. Ok. Faisons un peu de science-fiction. Tiens, YouTube t'appelle pour s'excuser de tout ce qu'ils t'ont fait et pour t'expliquer qu'ils vont dorénavant te laisser tranquille. Tu y crois ? Alors, ta visibilité, ça se passe ? Tu sais, on t'a beaucoup censuré, on s'excuse, hein. On va arrêter. Il est vraiment temps de te laisser en paix. Hein, c'est vrai ? C'est vrai. Il est temps que tu te reposes. Il est vraiment temps que tu te reposes enfin, non ? Tu reposes en paix. Vous n'avez toujours pas compris. Fermer la chaîne n'y changera rien. Je continuerai à me battre d'une autre façon. Bah, je leur ferai confiance. Y a pas de raison. C'est fini les questions. Vraiment du foutage de gueule. Tu nous fredonnes pas un air de ta compile du progrès pour terminer en chanson ? Ouais, bien sûr. Bon, c'était très bien, vraiment. Merci. Mais y'a un truc, j'ai l'impression que tu répondais à côté parfois. C'était fait exprès, on savait pas trop. Peut-être. Attention, je dis pas que c'était nul, hein. Mais si tu pouvais très sourire un peu la prochaine fois, ce serait cool. Mais attention, c'est pas un reproche, hein. Oh, je m'en bats les couilles. C'est vrai que ce serait... J'aime les filles, j'aime les mecs, j'aime les trans, j'aime les yels, j'aime les chiens, j'aime les chats, et je suis fan